Maiden Scouting Network, scouting platform and global data analyst. Specialist. Cette équipe. Hein. C'est un match plaisant, on est déjà bientôt à la demi-heure de jeu. Annecy laisse pour l'instant passer l'orage. Et le duel, attention entre Hlemok et Jordan Adeoti. Mok qui avait récupéré le ballon finalement, qui va écarter un petit peu Bibra. Et encore, le ballon dévié, ce sera le but. Le premier but de cette rencontre en faveur du GFA Rudy Limalière avec Glouti. Et Rubi, une fois qu'ils ont marqué, ils ont géré, ils ont su marquer un autre but en contre par l'intermédiaire de Volic qui a obtenu ce pénalty. Une prestation parfaite et peut-être une fin en apothéose avec ce centre, cette frappe en pleine lucarne d'Armel Yongo. On l'a vu tout le match, il n'avait pas marqué, il a des buts, mais c'est vrai qu'on s'observe un petit peu, il y a moins d'espace, c'est aussi quelque chose que vous connaissez dans les divisions un petit peu inférieures où vous jouez maintenant par rapport au monde professionnel, un petit peu moins d'espace quand même. Oui, c'est sûr. Même si là on arrive à passer sur le côté droit, bien sûr, avec Armel Yongo qui joue en retrait. Armel Yongo, professional highlights. Souhaite réveiller un petit peu ses coéquipiers. Attention, avec à nouveau ce long ballon récupéré par les attaquants du GFA, en l'occurrence les. Attention, ce centre qui aurait pu. Et là aussi, bien sûr, la réaction, elle est très très attendue. C'est Biongo qui va donner de l'espace à son équipe. Attention à cette contre-attaque parce qu'il y a également du. Un changement tactique, chercher peut-être un peu plus de vitesse, mais Pierre-Louis qui était rentré à la place d'Ashley Moquet, eh bien sort également. C'est le deuxième changement de cette équipe. Mettre à mal la défense adverse. Attention, Romuald Marier, là, qui a été passé sur cette récupération de ballon, et on va essayer d'y aller plein axe maintenant avec un très bon ballon sur la gauche. Et cette frappe, le filet a tremblé.
Scouting Network.